Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'honneur d'être en Chine, ici à Chongqing. Ici a lieu une compétition internationale qui s'appelle le Lifeline. C'est une compétition secours sur corde. Voilà, en France on appelle ça le grimpe secours sur corde, rope rescue en anglais. Donc je suis ici, vous voyez, la compétition se déroule ici, enfin elle commence ici. C'est l'opening, donc voilà, là aujourd'hui les... Donc ce matin les compétiteurs se réunissent ici pour vérifier le matériel, voilà, vérification du matériel, parce qu'ils vont devoir monter sur ces falaises là que vous voyez autour de moi, c'est magnifique, et il va y avoir plein d'épreuves. Et donc là ce matin c'est la cérémonie d'ouverture et juste avant l'opening, donc ce qu'ils appellent l'opening c'est la vérification du matériel. Vous allez vivre ça avec moi, je vais comme d'habitude vous montrer chaque manœuvre, chaque instant de cet événement. C'est vraiment un honneur pour moi parce que je suis jamais allé en Chine, c'est vraiment la première fois. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, on y va. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Ils ont tout installé ici, c'est vraiment, le cadre est vraiment parfait. Donc faut savoir qu'il y a 14 équipes qui vont se challenger durant 2 jours. Voilà, la compétition dure 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Donc 14 équipes, donc ouais, il y a beaucoup d'équipes, hein. Il y a donc des Chinois, il y a des Coréens, des Japonais, il y a les Belges, les Allemands, ouais, donc c'est vraiment international. Et sans plus attendre, je vous emmène voir la vérification du matériel. Alors. Donc là, c'est marrant parce qu'il y a les villageois. Ici, en fait, ils peuvent pas rentrer à l'intérieur parce que c'est vraiment que pour les compétiteurs. Et il y a tous les villageois qui sont venus voir ce qui se passe ici. C'est trop marrant. Hello. C'est trop mignon. Ouais, ils parlent pas du tout anglais ici. Hello. Ouais, donc ce matin les équipes elles vont toutes venir, vous voyez, il y a des équipes un peu partout et ils viennent tous ici se montrer le matériel. En fait il faut vraiment qu'ils aient le bon matériel pour pouvoir manœuvrer pendant ces 2 jours. Bah là il y a les Belges, là on a les Allemands ici. Je pense avoir une protection de corps. Voilà, donc là on a toutes les équipes, donc China, encore China, donc là on a le nom de la team. Ici on a les Allemands, Special Rescue Association, Korea, la Chine, Macao, Chine, la Belgique, ça nous rappelle des souvenirs, Japon, Corée, ici on a China Taipei, China. Voilà, tout ça c'est les équipes qui se réunissent là du coup pour la vérification du matériel. On peut voir le bel écran là-bas, c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment ils ont pas lésiné sur les moyens, ils ont vraiment fait un truc super. Donc là il faut savoir que c'est la deuxième édition cette année, il y a eu l'année dernière. Première édition en 2018, là c'est la deuxième édition 2019. Donc ils sont encore un peu en rodage, mais en tout cas ils sont vraiment bien organisés pour cette deuxième édition. C'était la vérif? Ouais. Tout est ok? Tout est ok. Prêt pour la journée? Un seul objectif? Victoire. Gagné, c'est cool. L'entrée elle est quand même fabuleuse, hein. Jinpo Mountain, c'est là où on est. Il y a les montagnes derrière. C'est vraiment magnifique. Là on peut voir tous les bus des équipes. Voilà, je suis derrière là. Je suis
backstage. Je suis à l'arrière de l'écran. Donc là, la cérémonie d'ouverture va commencer. On va aller voir ça tout de suite. Toutes les équipes sont réunies. Here at Jinju Mountain, with its beautiful scenery, the karst landform, and the sights of mountains, cliffs, and valleys. Toutes les équipes sont en train de passer sur scène pour se présenter, c'est vraiment sympa. 1, 2, 3. I am Shiva. We are team firefighter from Belgium. Thank you very much. Lifeline, Shina. 大家好，我是苏，我是谢谢。Ça y est les amis, je suis arrivé au lieu de la première épreuve. Regardez-moi ça, ce pont magnifique, incroyable. Il y a une centaine de mètres et là les équipes vont devoir monter jusqu'en haut. Elles vont toutes partir en même temps. Vous pouvez voir là, toutes partir de là. Et elles vont toutes partir en même temps pour monter tout en haut. Et en gros, c'est une course. Et l'objectif, ça va être d'être le plus rapide possible. Je peux vous dire qu'arriver en haut, ça doit piquer. Bien entendu, je vais filmer tout ça. Et vous allez suivre ça avec moi. Donc là, je suis en train d'attendre les équipes. Elles sont en train d'arriver. Ça y est, là, les équipes arrivent. On voit, ils arrivent, ils sont tous là, tac, 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 et ça monte. Ils vont tous se retrouver là, en dessous, sous les cordes. Hop, et ils vont monter tout ça. Avec un cadre magnifique, hein, on peut voir les montagnes autour. Hein. Ici, là-bas. Juste magnifique le cadre. La petite photo officielle avant de partir. You have to attach together. Like this, you climb together. Wow. Good luck. C'est les amis allemands ça. Toujours présent. Donc là les équipes sont en train de s'installer. Donc deux par deux. Deux par deux. Tac tac. Et ça arrive, il y a encore plein d'équipes qui arrivent là. Et une fois qu'elles seront installées, bah, elles vont devoir monter par équipe de deux comme ça. Tac. Hop. Et une fois qu'ils seront tout en haut, il y aura deux autres membres de l'équipe qui vont remonter jusqu'en haut. Ah, voilà, c'est une course en fait. Nos amis les Belges, ça va ? À l'aise. À l'aise comme d'hab. C'est toi qui montes ? Ah, on doit monter tous.
Tout le monde doit monter. Ouais, sauf la victime. Ouais. 4. 4 personnes quoi. 6. 6. Ah ouais, 2, 2 et 2. Ouais. Ok. Ouais. J'ai compté, t'as vu. Bon, allez, bon courage les gars. Allez, viens. Départ va être donné. Allez, c'est parti. Hop, les Allemands sont partis en premier. Allez là, Kaohsiung, ils sont là. Donc nous, on va rejoindre la voiture. Et puis on va suivre du coup, on va suivre les équipes montées. Ouais, moi ça c'est vraiment un truc de dingue. Allez go. C'est chenille, hein. Ok, thank you. T'es génie. La vue est parfaite. Donc c'est merveilleux. Donc là, ils sont toujours en train de monter. Donc vous avez pu le voir, c'est vraiment impressionnant. Ils sont là. Donc ils montent jusqu'en haut. Et ouais, on peut voir, hein, ils font pas tout d'une traite. Hein, ils s'arrêtent en cours parce que il y a la fatigue et tout. Normal, hein, ça, c'est super haut. Donc ouais, y a les villageois qui sont là. Tout le monde est vraiment étonné de ce qui se passe ici. C'est niaou. Donc voilà, ça impressionne tout le monde. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Hein. Je suis vraiment impressionné. Vraiment, c'est vraiment un truc de ouf. Regardez-moi ça, ce cadre, les montagnes et tout. C'est magnifique. Oh,
voiture et là on arrive sur le pont. C'est incroyable. You stay here? Yeah. Okay. I let my drone here. Yeah. Thank you. Voilà, on est sur le pont là. It was good? Yes. Yes? Good. Il y a des équipes qui arrivent. C'est les Allemands. How it was? Good. Hard? No. I can go faster. Yeah, but it's the first day. And you are tired because you travel yesterday. I feel that. Ouais, les Allemands. Les Belges sont là. Allez Namur. How are you? Yeah, fine. Good. You work? Yeah, working. Airport. Ah, 29. C'était? 29. Non. Non. Ah, je fais. Hello. Fallen angels ripping through the circuitry inside the Ça y est, l'affaire Family, cette journée touche à sa fin. Grosse journée, grosse manœuvre. Donc là, toutes les équipes sont montées jusqu'ici, jusqu'en haut. Donc c'était intense, c'était ouf, c'était vraiment de la folie. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, vraiment. Le tournage, je crois que c'est l'un des tournages les plus fatigants que j'ai fait. Parce que j'ai couru de partout, faire des images drone à droite, à gauche, ne rien rater, surtout ne rien rater. C'était extraordinaire. Et regardez, c'est atypique ici là, avec les villageois qui viennent voir ce qui se passe. Hello. Et donc voilà, donc ça se termine là cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à la partager à vos amis si vous avez si vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu pour tous ces héros des cordes là, parce qu'ils sont trop forts. Là, ils ont monté, donc c'était difficile pour eux. Hein. Certains se sont un peu emmêlés les pinceaux. Et il y en a, ils sont arrivés complètement HS en haut. D'autres, tacas. Voilà, après, c'est de la difficulté. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est sublime. Et donc, voilà, cette vidéo se termine là. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Donc là, je vais enchaîner. Demain, il y aura 5 manœuvres. La vidéo de demain fera... ça sera une manœuvre, en fait. Je vais filmer toutes les manœuvres. Je ferai une vidéo par manœuvre. Comme ça, je vais tout vous détailler. Et puis voilà, je remets ma petite casquette. Waouh, je suis bien content. C'était ouf, vraiment. En plus, je me suis couché à 2h du matin cette nuit. Enfin, je dors très peu quand je fais ce genre d'événement, parce que du coup, je discute avec les gars. Les gars, c'est des potes. Hein. Hier soir, j'ai passé la soirée avec les mecs de Kaohsiung, les mecs de Taïwan. Et puis voilà, l'affaire Family, on se retrouve demain. Abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des aventures. Merci en tout cas de me suivre, merci pour votre soutien, merci pour tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et puis on se retrouve demain, même heure, 21h sur ma chaîne YouTube pour la suite de l'aventure. Enjoy, prenez soin de vous, rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain. Ciao!